désir de dessiner a été de pair avec mon envie de rire, parce que je trouvais que j'étais seul. J'avais une famille sympathique, mais on ne riait pas beaucoup. J'étais le seul dans la famille. Et je me souviens, j'ai eu très tôt une envie de rire, parce que souvent on est plusieurs, chez soi même on rit, etc. Bon, mon papa ne riait pas beaucoup. J'avais des parents qui ne riaient pas, je ne sais pas. Et moi, ça me manquait beaucoup, c'était vraiment un besoin, un manque, vraiment. Et alors, le fait de dessiner, les premières choses que j'ai dessinées quand j'étais tout jeune, c'était l'un ou l'autre petit incident, une table qui se calait dans un escalier chez moi, une histoire comme ça. Hein, je présentais la famille en train de, autour de la table calée, mais très, très légèrement. Hein. Je dessinais un peu à l'école aussi, comme beaucoup, hein, évidemment. Je me souviens de dessins que je faisais, j'étais chez les bons pères, là, dans les petites classes des études moyennes, l'humanité. Et alors, quand j'étais très... Au début, je dessinais des enfers. Je dessinais des damnés, des enfers, des diables qui poussaient les damnés dans un grand trou, il y avait du feu. Des trucs d'une naïveté totale. Cette naïveté d'enfant, l'homme Franquin en gardera toujours quelques traces pendant toute sa carrière. Et après un parcours professionnel de près de 50 ans, Franquin pouvait se vanter d'avoir créé certains des personnages les plus mémorables du 9e art. Mais ce n'était pas le style de l'homme de vanter ses propres mérites. Heureusement, ses confrères et ses proches collaborateurs le font très volontiers à sa place. Franquin est un des rares qui contemple les deux univers, la BD traditionnelle de papa et les jeunes révolutionnaires. Tout le monde aime bien Franquin. Je suis convaincu maintenant que le fait d'avoir pu travailler à ses côtés a été pour moi beaucoup plus utile que 20 ans d'académie, c'est certain. Moi, j'ai vu dessiner des dessins réalistes extraordinaires. Il aurait aussi bien pu faire un dessinateur réaliste remarquable, hein. C'est Dürer, si vous voulez, c'est au 15e ou 16e siècle, à la Renaissance, il aurait fait un peintre, ou un illustrateur, ou un enlumineur, que sais-je, extraordinaire. Franquin a accumulé d'innombrables croquis d'après photo ou d'après nature, qu'il s'est toujours gardé de publier par modestie naturelle. Ces croquis prouvent qu'avant de penser bande dessinée, Franquin était avant tout passionné par le dessin dans tous ses états. Je connaissais la BD, j'avais lu beaucoup de BD, c'est là que j'ai appris mon métier finalement. Juste avant-guerre, je lisais là, Mickey Robinson, enfin, tous ces dessins américains et autres. Et je n'avais jamais, j'ai une fois, je me suis dit, tiens, si je faisais une... J'avais commencé une petite bande dessinée, une seule fois. Et j'avais trouvé, oh là là, il faut répéter chaque fois le personnage. Et j'ai fait trois images, puis j'ai plus jamais pensé à ça. Parce que je considérais qu'il fallait être fou pour faire de la bande dessinée, parce qu'il fallait redessiner chaque fois ces trucs, les décors, les personnages. C'est un peu dingue. En réalité, c'est un peu par hasard que Franquin, entraîné par Maurice, frappe à la porte de l'éditeur Charles Dupuis, qui recherche des jeunes talents pour relancer son journal de Spirou après la guerre. Et très vite, le jeune Franquin se verra proposer par Dupuis de reprendre le personnage même de Spirou des mains de Jigé. Vous avez votre personnage, lui il accepte de reprendre pas n'importe quel personnage, il prend le personnage qui est le personnage phare du journal, ce qui est quand même se mettre un solide fardeau sur les épaules. Il ne vous a jamais semblé un petit peu avoir le trac par rapport à oh, je ne crois pas, non. Il était sûr de lui, vous savez. Il s'auto-critiquait énormément, comme il l'a toujours fait pendant toute sa vie. C'est incroyable. Il faisait critiquer son propre travail, mais en réalité, il était bien content qu'on lui donne ce travail-là. C'était quand même un personnage qu'on ne donne pas au premier venu. Hein. C'était parce que tout le monde était d'accord sur le talent de Franquin, hein, qu'on lui a donné ça. C'est à cette époque que Jigé héberge dans sa villa de Waterloo Maurice, Will et Franquin dans l'idée de leur enseigner les rudiments de cet art encore si peu considéré qu'était alors la bande dessinée. Il nous a tout appris, hein. Et dans
dans une atmosphère de joyeuseté qui était tout à fait remarquable. Par exemple, je me souviens que quand un des dessinateurs quittait sa table à dessin, les autres en profitaient pour faire des rajouts à ses dessins, aux planches, etc. Généralement d'une grande obscénité. Dans cette ambiance décontractée pour le récit intitulé « La maison préfabriquée », J.G. dessine quelques planches, en entame une nouvelle, puis, à la cinquième case, c'est Franquin qui prend le relais, vraiment au pied levé. C'était mon souci principal, c'était imiter le dessin. Hein, alors évidemment, il fallait inventer des trucs, ça, c'était aussi un souci, parce que la première bande, je l'avais prise au milieu dans le journal, du moins. Je l'avais prise au milieu, en cours de la série, un scénario auquel je n'étais pas du tout préparé. Et alors ça posait des problèmes tels que la personnalité de Spirou, je m'attachais à le dessiner Spirou comme il le dessinait. C'était loupé, d'ailleurs, il n'y a que des amateurs qui peuvent se tromper. Moi, dessinateur, dans un cabaret, je reconnais tout de suite, tiens, celui-là, ça n'a pas été dessiné par le même. Très vite, Franquin va s'appliquer à étoffer l'univers très sommaire de Spirou. Il crée le petit monde de Champignac avec son compte inventeur et collectionneur de champignons. Il imagine le marsupilami, malicieux mammifère de la forêt de Palombie. Et il donne à Fantasio un cousin retors, Zantafio, mais restait à étoffer le personnage de Spirou lui-même. La personnalité du personnage a été un souci constant, parce que c'était le petit héros, sans le savoir, tous ces héros principaux sont un peu, doivent être un peu trop parfaits, trop bien, très vertueux, etc. Tout ça est entendu instinctivement, c'était comme ça. Mais la personnalité, je me suis souvent demandé en cours de route et des années même après, je devrais trouver un truc pour que Spirou se comporte d'une façon plus Spirou, plus lui-même, qu'il ait une personnalité plus forte. Dans les années 50, le succès du journal de Spirou est considérable. Le dynamisme imprimé par Franquin au personnage du petit groom y est évidemment pour quelque chose. Avec Maurice, avec Gigé, avec Peyo, Franquin fait partie des auteurs vedettes de l'éditeur de Marcinelle. Dans ce contexte, Franquin n'a pas encore le loisir de se poser des questions sur ses aspirations profondes. L'ambiance chez Dupuis est familiale, mais teintée aussi de paternalisme. Charles Dupuis était avec ses dessinateurs comme certains époux ou certaines épouses sont avec leurs conjoints. C'était vraiment le trahir que d'aller travailler ailleurs. Et pourtant, en 1955, Franquin commettra cette trahison. Brouillé avec Dupuis, il se présente chez le concurrent numéro 1, le journal Tintin de l'éditeur Raymond Leblanc. À l'époque, l'hebdomadaire des éditions du Lombard, emmené par Hergé, était réputé pour ses séries réalistes. C'est pourtant dans ce contexte qu'il crée sa première série originale, Modeste et Pompon. Je crois qu'ils avaient un peu, à l'époque, ils étaient un petit peu ennuyés. J'ai senti un peu, ils étaient un petit peu ennuyés parce que on ne riait peut-être pas assez avec leur journal et le Spirou faisait rire plus. Alors, quand je me suis disputé avec Dupuis, ben je me suis présenté chez Tintin et j'ai été reçu avec un certain intérêt parce qu'on s'est dit, ça tient, il pourrait faire quelque chose qui fera rire dans Tintin un peu plus. Et ils avaient peur en même temps que d'un dessin un petit peu vulgaire, un petit peu pas très. Enfin voilà. Modeste et Pompon évoluent dans le design typique des 50s pour des gags encore bien sages. En 1957, réconcilié avec Dupuis, Franquin revient chez Spirou tout en continuant Modeste et Pompon chez Tintin. Le surmenage le guette et il essaye alors l'expérience d'un mini-studio où il engage des assistants, forçant son tempérament de créateur plutôt individualiste. Il faut dire que Franquin était débordé. Hein. L'époque n'est pas du tout la même que maintenant. Il faut imaginer que Spirou, par exemple, c'était là le vœu de Dupuis en tout cas, et ça s'est fait pendant des années, il n'a jamais eu une interruption. Donc la série se finissait, la semaine d'après, il y avait déjà la nouvelle série qui arrivait. C'était un rythme
délirant, parce que il fallait créer au fur et à mesure les séries, il y avait Modeste et Pompon encore en plus, il fallait imaginer Gaston, il avait la chronique auto, c'était pas possible. Tout ça en une semaine, parce qu'il pouvait jamais souffler. Le 28 février 1957 déboule dans les pages du beau journal de Spirou un curieux quidam surgit de nulle part, Gaston. Non, l'idée, c'était de mettre dans le journal un corps étranger. Et il est arrivé à la rédaction en disant, écoute, je pense à un personnage. Il a commencé à décrire le bonhomme. Son argument est, ils ont tous un emploi. Lucky Luke Cowboy, Bill Damney est aviateur, Tintin est reporter. Et un personnage sans emploi pouvait donner quelque chose de neuf, pensait-il, au journal. Au départ conçu comme une pochade, Gaston devient vite une vraie BD. Ou bien il dort, ou bien il travaille, mais il ne travaille qu'à des choses qui l'amusent, évidemment. Alors il invente des trucs, il fait des machines. Et au fait, il travaille beaucoup, parce que pour fabriquer ce qu'il a fabriqué, il faut vraiment être très bricoleur. Ouais. Est-ce que, mine de rien, le détournement d'objets est quelque chose qui vous excitait fort pour... Ah oui, c'est gay, détourner. Oui, se servir d'un objet. Et puis alors amener au bureau des objets qui n'ont rien à faire. Rien n'affiche au bureau, qui sont là. Rien que d'apporter ça au bureau est déjà une sorte de gaffe et prouve qu'on n'est pas là pour travailler, mais pour jouer plutôt. Malgré son originalité, le premier album de Gaston sera imprimé sur des revues de papier et il faudra le plébiscite des lecteurs pour que le personnage s'impose vraiment chez Dupuis. Ça a commencé par les gens qui voient le journal avant les autres et les gens qui savent les commerciaux qui ont dit que ça ne pouvait pas marcher. Évidemment, ça ne pourrait jamais marcher sous forme de bande dessinée, parce que ce que le public veut, c'est un héros comme Tintin, comme Spirou, comme Joran, à la rigueur. Pas un anti-héros comme ce type avec son mégot crasseux et ses espadrilles. Ça n'existe évidemment pas. Ça n'aura aucun succès. Un héros sans emploi, a priori, c'est inoffensif. Et pourtant, une des cibles involontaires de Gaston, ce sera justement un de ses commerciaux, l'infortuné homme d'affaires de Mesmaquer. Le nom de Mesmaquer fut inspiré à Franquin par le nom de son assistant de l'époque, qui signait de ses initiales JDM. Je lui ai dit d'une façon, comme ça, sans penser plus loin, qu'il ressemblait très très fort à mon père. Et à ce moment-là, mon père était directeur d'achat, l'innovation, les grands magasins, l'innovation, etc. Hein, et il a trouvé que c'était très marrant parce que de Mesmaquer, les Français, imprononçable pour eux, c'est de Mesmaquer. Enfin bon, on a pris ce nom-là sans penser plus loin, on a trouvé que c'était marrant. Et mon père a eu des tas de trucs chaque fois qu'il venait signer des contrats de Mesmaquer à l'époque, les gens se mettaient en quatre parce que lui, c'est justement très sérieux, le même style que de Mesmaquer, c'était parfaitement le personnage. Mais Gaston ne provoque pas que hargne et agacement autour de lui. Il suscite aussi des sentiments beaucoup plus tendres chez une timide collègue, une certaine Moiselle Jeanne. Il y avait à ce moment-là, dans l'équipe de rédaction, une Moiselle Jeanne. Une rousse potelée aux longs cheveux qui s'exprimait comme Moiselle Jeanne. Et je suis sûr que Franquin ne s'est pas du tout. Je suis sûr que Franquin ne s'est pas du tout inspiré de cette personne qu'il a créée, Moiselle Jeanne, de toutes pièces, ce qui prouve son grand génie. Non content d'installer progressivement une véritable galerie de personnages, Franquin va nourrir l'univers de Gaston de toute une série de gags leitmotiv qui seront attendus avec impatience par les lecteurs du journal Spirou.
au personnage de Gaston, le parasite, profiteur des débuts, se mue petit à petit en un doux poète, un tantinet anarchiste. Anarchiste et bucolique. C'est un enfant, finalement. Gaston est un enfant, c'est sûr. Je crois qu'il y a une chose que vous aimez bien dans la... Justement, dans la vie courante, enfin, dans le mode de vie, c'est quand même garder une certaine candeur. Mais c'est pas voulu, c'est naturel. Ouais. Je crois que c'est naturel. Je me sens... je ne me suis jamais senti très, très, très adulte. Hein, ou du moins, ouais. ça a mis très longtemps à être... J'ai mis très longtemps à être un petit peu adulte par moment. Ouais. Dessiner est une activité d'enfant. Hein, c'est... Les enfants dessinent et s'amusent, et moi, j'ai continué... Et comment est-ce qu'on, justement, comme en dessin, alors comment est-ce qu'on garde cette, entre guillemets, cette innocence-là est-ce qu'il y a des... C'est le plaisir de dessiner, c'est élémentaire, vraiment. Et si quelqu'un perfectionne un peu, s'il a un petit don du dessin, il perfectionne son dessin, elle est, rien que de représenter des choses, c'est passionnant. Ouais. Plaisir de dessiner, certes, mais qui se doublera toujours chez Franquin d'une quasi-souffrance liée à un tempérament d'une rare exigence. J'ai jamais vu de ma vie un dessinateur aussi difficile pour lui-même, d'abord. Ben, j'ai vu Franquin déchirer des choses, comment dirais-je, adorables, faramineuses, comme dessin. Mais Franquin, hein. Il est tellement soucieux, trop, à mon avis, trop, parfois. Et je l'ai vu déchirer des trucs, il mettait au panier, je lui ai dit, si j'avais pu les récupérer, j'aurais dû les récupérer. Il le recollait après au scotch tape. Il y avait le bureau où on travaillait, l'atelier où on travaillait, il y avait un mur qui nous séparait, parce qu'il y avait une grande baie, et lui était d'un côté de la baie, moi j'étais derrière la baie de l'autre côté, donc on ne se voyait pas. Et j'entendais des fous rires quand... Tout seul, il dessinait des gags de Gaston, il avait un fou rire, qu'il n'avait plus pour Spirou, par exemple. Il en a eu marre de Spirou, parce que c'était pas son bébé, parce que c'était pour lui un devoir, et que tout d'un coup, il a dit, mais pourquoi je devrais faire des devoirs? Les lecteurs fidèles des aventures de Spirou l'avaient déjà pressenti. À la fin des années 60, dans le cœur de Franquin, c'est de plus en plus Gaston qui vole la vedette au héros du journal. Et sur le plan graphique, l'évolution est aussi très sensible. Bref, on est loin, très loin de la quasi-ligne claire de ses débuts. Le trait de Franquin s'est fait de plus en plus expressionniste. On dessine plus facilement avec l'habitude. Hein. Il y a une espèce de spécialisation qui arrive. Ce qui est arrivé aussi, je crois, c'est dessinant plus facilement, j'ai fait une caricature plus réaliste. Parce que je crois beaucoup... à la nécessité d'inventer un décor où le lecteur se promène, où il peut exister dans le petit monde en question. Et ça, je crois que c'est intéressant. C'était pas donc uniquement instinctif, c'est pas uniquement une évolution instinctive, il y a aussi l'idée surtout de... Surtout instinctif, oui. Dessiner est surtout instinctif. Oui, oui, hein. Oui. Évidemment, il y a des soucis qui changent. Si on dessine un peu plus facilement, on va plus loin instinctivement et on raffine un peu, on ajoute des détails qui peuvent amuser, etc. Voilà, ceci est une étude de personnage qui peut être, il y a la direction des yeux, il y a le geste, bon, et alors vous voyez avec quelle rapidité on fait ça, hein, on peut le faire, le geste est par exemple de l'autre main, bon, et alors les jambes sont plus, voilà, il est plus énervé, je peux en faire 5-6 comme ça en quelques secondes, hein, ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Je ne fais pas ça soigneusement. Je jette ça sur le papier en cherchant l'attitude. Ça, c'est très amusant à faire, très, très efficace. Fruit de son évolution artistique, les idées noires. Elles naissent en 1977 dans le Trombone illustré, un supplément imaginé en réaction à un certain immobilisme du journal. La série est née d'une réminiscence de Franquin qui avait été frappée par une bande dessinée américaine entièrement réalisée en ombre chinoise. Mais Franquin va très vite compliquer cette technique apparemment si simple. Il était chiant, parce qu'il lui fallait à peu près une semaine pour faire son dessin. Quelquefois 10 jours.
et notre truc devait sortir toutes les semaines. Alors, on lui disait de faire un truc moins compliqué. Il disait, pas de problème, le prochain, tu vas voir, c'est tout simple, c'est un fond noir, l'espace, et... Mais juste à ce moment-là, il découvre une plume à dessiner qui fait des traits de un dixième de millimètre d'épaisseur. Et si on fait beaucoup de petits points l'un à côté de l'autre, ça donne, disait-il, un velouté. Je disais, ta plume, elle est plus petite que la trame même, que le système de l'imprimerie, on verra pas. Tu peux aussi bien tout faire au noir, au pinceau, t'en as pour 5 minutes. Oui, mais... Hein. Et donc, ce truc aussi simple a donné un dessin juteux, certes, mais qui lui a pris encore plus longtemps que d'habitude. Et c'était très noir, tout devait être... Et ça prenait un temps. Et je dessinais presque pas, jamais au pinceau pour faire du noir. Je voulais que ce soit gravure. Et au niveau de l'inspiration, est-ce que c'était... Parce que vous avez fait ça à un certain moment, en même temps que des Gastons. Oui. Alors, est-ce qu'il y a le cerveau comme ça qui se compartimente avec, tiens, voilà plutôt une idée oui. Plutôt pour les idées noires. Tiens, voilà plutôt une idée pour Gaston. J'ai jamais confondu les deux. Oui. Les idées noires cherchaient à être roses. Hein, dès le début... C'est noir, on peut faire des choses un peu, un gag un peu sinistre, ou un peu monstrueux, avec des monstres, etc. Et ça cherchait donc pas un petit scandale dans Spirou, mais c'était différent, ça devait être plus corsé que les bandes dessinées habituelles. J'ai jamais confondu ça avec Gaston. Après ce feu d'artifice créatif, Franquin est dépressif et s'arrête de dessiner. Il vivait un moment de trouble et ça a été peu à peu, il s'est coupé de beaucoup de choses d'ailleurs. Il s'est séparé de Marsupilami. Et ça, c'était vraiment un abandon. Presque un abandon de l'existence. Pour assurer la reprise de son animal favori, Franquin jette son dévolu sur Luc Collin, alias Baptême, en 1987. Et afin de soutenir le jeune néophyte dans cette mission périlleuse, Franquin ira jusqu'à accueillir Baptême dans sa villa du sud de la France pour lui prodiguer le secret de son art. Je n'ai jamais ressenti cette relation de maître à élève. Je l'aurais bien voulu. Mais il a tellement le tact de ne jamais vouloir me blesser, de toujours me dire avec les mots choisis, à ton avis, tu as très très bien réussi ça, je n'aurais pas pu faire mieux, mais regarde, alors il prend un crayon, qui en général a une mine comme mon petit doigt, et il vous refait une petite estampe en 2-3 coups de crayon. Et évidemment, il a raison, parce que, on dit toujours, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, c'était le cas. Entre le grand ancien et le petit nouveau, la collaboration sera très étroite. Baptême soumet à Franquin ses crayonnés préparatoires. Après examen, celui-ci reprend la séquence et refait un croquis, plus brouillon, mais aussi plus nerveux. Ces dernières années, le père de Gaston multipliait d'ailleurs les dessins au crayon, rechignant de plus en plus à les ancrer. À votre sens, pourquoi Franquin qui dessine encore avec le même trait alerte, avec la même nervosité, avec la même vie. Comment expliquez-vous que Franquin ne termine plus de planches de Gaston? Moi, je crois que c'est parce qu'il est paresseux. C'est la seule raison que je vois. C'est le... Oh, encore faire un dessin. Pas l'immense perfectionnisme qui fait qu'il n'est jamais content de son dessin et que... Ça... C'est évident, mais en plus, justement, il hésite à se présenter devant son propre jury et dessiner quelque chose dont il ne sera pas content. Il y a ça aussi. Il sourit. Il essaie de sourire. Est-ce que
que vous préférez finalement dessiner pour le plaisir, ou bien il y a quand même le plaisir de communiquer, quoi. On dessine toujours pour quelqu'un aussi. Ouais. On dessine pour soi. Le gag, c'est d'abord se faire plaisir soi-même, se faire une farce à soi-même en trouvant un gag. Alors, mais moi, j'ai toujours pensé beaucoup à mon public tout de même, parce que le public, c'est moi à l'époque où j'étais simplement lecteur de bande dessinée, et je dessine pour ce gamin-là. Hein. Je dessine pour ce gamin que j'ai été à tel. Bon. Oui, c'est. Et le plaisir de dessiner est très bien, mais on dessine tout de même pour être vu. Hein. On dessine pour essayer de plaire. Chacun a sa façon de réussir à plaire d'une façon ou d'une autre, mais il faut. C'est fait pour être vu, c'est fait pour être lu, et en le faisant, on pense à l'impression de celui qui va lire. Hein.